Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal obligatoire pour les élites anglophones. Les contributions dans le cadre du plan d'urgence humanitaire en faveur des personnes affectées par la crise anglophone ont démarré ce jeudi à Yaoundé. Les pouvoirs publics mettent ainsi la pression sur l'élite anglophone pour pouvoir collecter la cagnotte de 13 milliards de francs CFA attendue dans cette campagne. Et pour décrypter ce sujet, un acteur de la société civile invité de ce journal. Le gouvernement remue ses ménages face à la densité du calendrier électoral. Le délai légal prévu pour la convocation du corps électoral a expiré ce 21 juin et sur le terrain, le Elections Cameroun tente de reconquérir la confiance de son personnel démobilisé par un management approximatif. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, les contributions au titre du plan d'urgence humanitaire institué par le gouvernement camerounais en faveur des populations affectées par la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ont démarré ce jeudi à Yaoundé. Les ministres, gouverneurs et ambassadeurs sont appelés à contribuer la somme de 2 millions de francs CFA chacun. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale ainsi que du Sénat apporteront la somme de 100 000 francs CFA. La liste des propositions a été faite donc ce jour à Yaoundé et la commission de collecte des fonds sera pilotée par le sénateur Fortabé Tandon et les contributions seront transmises au docteur Fou Kalisto Gentry, précisant que le plan d'une valeur de 13 milliards de francs CFA devrait permettre la reconstruction des zones détruites et l'insertion économique des milliers de civils délogés du fait des tensions sécuritaires dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. La situation humanitaire est donc désastreuse sur le théâtre de la crise anglophone, ce qui a poussé donc le gouvernement à pouvoir mettre sur pied un plan d'assistance humanitaire afin de voler au secours des personnes, des déplacés ainsi que des réfugiés au Nigeria. Le compte rendu fut d'Emmanuel Diop et de Guizogo. Devant l'accentuation de la crise anglophone, dont les effets ont considérablement meurtri les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le gouvernement propose en réponse un plan d'assistance humanitaire d'urgence. Le Premier ministre a fait cette annonce à Yaoundé dans le cadre d'un point de presse. L'assistance humanitaire d'urgence concerne les personnes déplacées internes. À ces personnes déplacées s'ajoutent les victimes d'exactions dans les localités et les communautés hautes. D'un montant d'un peu plus de 12 milliards de francs CFA, ce plan d'assistance humanitaire d'urgence vise à remettre sur pied des secteurs sinistrés dans ces régions du Cameroun. Les besoins identifiés concernent la protection de population, la sécurité alimentaire, la santé, l'éducation, l'habitat et l'assistance psychosociale. Il va aussi cibler l'aide à apporter aux personnes déplacées internes, chiffré selon le gouvernement à 74 994 personnes, auxquelles s'ajoutent 21 000 réfugiés au Nigeria. Quant à la mise en œuvre de ce plan d'assistance humanitaire, elle sera conduite par le ministre de l'administration territoriale. Ce plan d'urgence humanitaire qui a été bien articulé par le Premier ministre, donc l'assistance aux personnes déplacées, la reconstruction des édifices détruits. Ensuite, la réhabilitation des infrastructures. Le message est clair. Le chef de l'État prend très au sérieux ce qui se passe dans les deux régions. Cette sortie du Premier ministre a également permis de disposer d'un certain nombre d'informations, dont le nombre de tués parmi les forces de défense et de sécurité, qui s'élève à 84 et une trentaine de morts parmi les civils. Si le gouvernement n'annonce pas à quelle date ce plan d'assistance humanitaire d'urgence va entrer en application, quelques discordances sont à relever. Les chiffres du gouvernement sont loin de correspondre à ceux du HCR pour ce qui est des déplacés internes. Enfin, quelques questionnements commencent à poindre quant à savoir comment ce plan d'assistance humanitaire
pourra être mise en branle alors que les combats font encore rage dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous vous proposons à présent d'écouter un extrait de la déclaration de Philemoyan, chef du gouvernement, qui a décrypté hier les grands axes de ce plan d'assistance humanitaire d'urgence en faveur des personnes victimes des déplacés de la crise anglophone. Nous l'écoutons. Le gouvernement doit faire face à un péril humanitaire grandissant, découlant de la terreur entretenue par des bandes armées. Cette terreur a provoqué le déplacement de populations de leurs lieux de résidence habituels. L'assistance humanitaire d'urgence décidée par le président de la République, Son Excellence Monsieur Paul Biya, concerne les personnes déplacées internes, estimées à 74 966 personnes, soit 66 412 dans la région du Sud-Ouest et 8554 dans la région du Nord-Ouest. À ces personnes déplacées s'ajoutent les victimes d'exactions dans les localités et les communautés hautes. Les besoins identifiés concernent la protection de populations, la sécurité alimentaire, la santé, l'éducation, l'habitat et l'assistance psychosociale. Dès le début de ces attaques terroristes, le gouvernement a engagé de nombreuses actions dans le cadre de la solidarité nationale et du vivre ensemble. Les pouvoirs publics sont depuis lors aux côtés de familles qui accueillent les déplacés internes dans les villages et grandes métropoles. Les autorités administratives ont fourni les effets de couchage, de matériel de toilette et les denrées alimentaires. Cette action a concerné aussi les élèves qui ont été accueillis dans de divers établissements scolaires de régions du littoral, de l'ouest et du centre. Ces élèves ont pu achever l'année scolaire et passer les examens officiels. Le plan d'assistance humanitaire d'urgence pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, décidé par le chef de l'État, vise globalement à rétablir un cadre de vie propice à l'épanouissement et au développement de communautés affectées, fournir une assistance humanitaire d'urgence aux populations affectées, assurer la réinsertion socio-économique de populations affectées, promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble, réhabiliter les infrastructures détruites, notamment les établissements scolaires avant la rentrée 2018-2019. Pour ce faire, les domaines suivants ont été identifiés comme prioritaires: l'accès au logement, la fourniture de denrées alimentaires et de produits de première nécessité, les soins de santé, l'éducation, le logement, la protection et la reconstitution des documents individuels. Ces actions sont complétées par des visites d'assistance et de réconfort aux populations réfugiées au Nigeria. Un accent sera mis sur la réhabilitation des infrastructures sanitaires détruites, abandonnées ou fermées. Pour favoriser la reprise des activités agro-pastorales, le gouvernement prévoit de fournir des intrants agricoles. Un volet dédié à l'assistance psychosociale viendra compléter ces mesures matérielles afin de réarmer moralement les victimes. Le gouvernement s'attellera à pallier la destruction des documents d'état civil et autres pièces administratives.
Philemon Yang, chef du gouvernement, qui déclinait ainsi les grands axes du plan d'assistance humanitaire d'urgence en faveur aux populations déplacées et réfugiées des sites de la crise anglophone. Et pour décrypter donc le sujet, nous recevons sur ce plateau Maître Emmanuel Agbo Omar Achou. Bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Cameroun ainsi que président national de Réforme Parti. Merci d'être venu ce soir. Merci. Bonsoir. Alors, le gouvernement annonce un plan d'assistance humanitaire d'urgence aux populations déplacées ainsi que réfugiées de la crise anglophone. Et ce plan est estimé à près de 13 milliards de francs CFA. Comment appréciez-vous l'initiative du gouvernement? J'ai personnellement recommandé sur ce plateau et sur cette chaîne que le gouvernement commence par la reconstruction des villages brûlés par l'armée. Parce que si l'armée ne brûlait pas les villages, personne ne devait être réfugié dans ce pays. Mais cette action est prévue dans le plan d'urgence. Je sais que c'est prévu. Moi-même, j'avais recommandé que le gouvernement reconstruise les villages. Oui. Mais j'avais dit que cette action soit précédé des mesures d'apaisement. Parce que on est en train de vouloir mettre sur place de l'argent dans un contexte où personne ne maîtrise le terrain. Donc vous estimez que cette réponse humanitaire n'est pas suffisante? La réponse est bonne, mais elle vient dans un moment où je me pose la question de savoir comment est-ce qu'on va faire pour reconstruire les villages en pleine guerre. Parce que nous sommes dans une ambiance de guerre civile. Ça fait une semaine que personne n'a pu accéder à la ville de Bouya. C'est hier qu'on a annoncé que l'armée a finalement réussi à dégager la route. Alors, je me demande donc, comment est-ce qu'on va faire pour apporter de l'aide aux personnes qui sont dans les forêts? Mais est-ce que ce plan d'assistance n'est peut-être pas un premier pas avant d'aller vers le dialogue? Le plan d'assistance est un très très bon, une bonne initiative. Qui malheureusement apportera beaucoup de problèmes. D'abord, comment est-ce qu'il sera géré? Est-ce que nous ne sommes pas en train d'aller vers un deuxième coup de cœur dont l'argent avait disparu dans l'avion entre Washington et New York? Comment est-ce que cet argent sera géré? Qui sera responsable de quoi? Dans quelle localité? Il y a un comité qui a déjà été mis sur pied ce jour. À Yaoundé, justement, chargé de collecter les fonds. Ce n'est pas à Yaoundé que l'argent sera distribué. Ce n'est pas à Yaoundé qu'on va l'utiliser. Mais il y a des comptes, il y a personne, il y a une commission qui a été mise sur pied. Sur le terrain. Sur le terrain, comment ça sera? J'ai dit, nous avons de l'argent, oui. On a des bonnes idées de reconstruction, d'aider la population villageoise qui était en train de faire son agriculture, qui a été dérangée par les perturbations. Mais comment est-ce qu'on va l'exécuter? Sur le terrain, comment on va le faire? Personnellement, j'ai des membres de famille qui ont fui cette zone, qui ont abandonné tout pour revenir à Douala. Oui. Quand je regarde dans le plan, je ne vois personne dire même qu'il y a des gens qui sont à Yaoundé, des déplacés qui sont à Yaoundé, qui sont à Douala, qui sont à Garoua. Il y en a beaucoup qui suivent leurs parents dans les autres villes. Personne n'en parle. Et quand vous regardez les chiffres même, comment appréciez-vous cette guerre de chiffres? Le gouvernement camerounais parle de 75 000 déplacés à l'interne, alors que le HCR évoque plus de 120 000, après 150 000 déplacés. Tant comment le HCR que le gouvernement, j'ai l'impression que c'est de la rêve. Je prends un seul village, Kembon. Kembon, c'était le village le plus peuplé du Cameroun occidental. Kembon seul avait 17 quartiers. Je prends Bolet et quoi. Regardez les populations qui sont... J'ai dit, les deux là pouvaient vous donner au moins 20 millions d'habitants. Oui. Qu'est-ce qu'ils racontent? 75, c'est quoi ça? Donc vous estimez au moins 20 000 habitants. Vous estimez que ça va fausser les données de ce plan d'urgence? Non, ça va fausser les données. Ça va fausser les données parce que les chiffres qu'on donne, 3 000 par ville, 3 000... Non, vraiment, ça ne cadre pas, ça ne reflète pas les réalités. Et moi, je me pose la question. Est-ce qu'il s'agit d'un plan d'urgence de la population pour aider? Un plan d'urgence solidarité ou bien un plan d'urgence du gouvernement? Parce qu'on dit que c'est les fonctionnaires qui vont cotiser. Mais l'État même donne quoi? Qu'est-ce que l'État donne? L'État qui est à l'origine de ça donne combien d'argent? Non, mais il faut qu'on soit sérieux. Si c'est la population qu'on veut obliger à aider,
Justement, des dans gens ce plan, qui sont dans les justement, dans ce plan, le gouvernement a appelé à une mobilisation de tous les Camerounais pour pouvoir participer à ce plan. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un plan de solidarité. Vous allez participer à ce J'ai vu la répartition qu'on a faite. Personne n'a fait allusion. On appelle aux Camerounais, tous les Camerounais à pouvoir personne se mobiliser. Est-ce que vous, en tant qu'avocat... Moi, je pense que ce plan devrait être mieux réfléchi. On devrait prendre du temps pour mieux réfléchir et parvenir à un bon plan qui pourra être exécuté comment de manière harmonieuse. Vous, comment ce plan aurait pu être mené pour être plus efficace sur le terrain? Merci. Il fallait d'abord qu'on sache, comme on a dit que c'est la population qui cotise, qu'on fasse d'abord l'inventaire de toutes les catégories sociales. Oui. Et qu'on sache, je ne sais pas pourquoi on a limité, on a dit les anglophones, c'est obligatoire, que si c'est tout le Cameroun qui est en train de cotiser, qu'on divise ça et qu'on donne à chacun le montant qu'il va cotiser. Mais sur le terrain, il fallait des comités locaux qui vont, et puis il fallait des équipes techniques qui vont faire le travail sur le terrain et qui seront supervisées. Il y a l'élite anglophone qui est mobilisée sur le terrain pour pouvoir... Quelle élite anglophone? Descendez là, j'ai dit, ça fait une semaine, personne n'a pu atteindre Koumba. Quelle est l'élite qui est encore à Koumba? Qui est l'élite qui est sur le terrain? Il n'y a plus personne. Il n'y a que le plus classique qui reste. Presque tout le monde appuie la route de l'exode. Alors, je pense que le gouvernement devait prendre cette affaire au sérieux. Parce que quand je lis même la littérature qui accompagne le plan, je constate que vraiment les auteurs de cette initiative ne veulent pas la paix. Parce que le langage qui est écrit là, c'est un langage de provocation, d'insulte, d'injure. Mais pourquoi vraiment, vous estimez que c'est un langage d'insulte? Je n'estime pas, je lis. Quand je vois comment on dit, on parle des hommes politiques en mal de popularité. Ce n'est pas les mêmes hommes politiques sur lesquels vous allez compter pour aller apaiser les gens. Vous les insultez et vous allez les demander de cotiser l'argent que vous allez détourner en route. Mais on n'est pas sûr que cet argent sera utilisé. On ne peut pas déterminer que l'argent sera détourné. Quand déjà le modus operandi n'est pas bien défini, vous êtes sûr que ça sera utilisé à bon échéant? Mais c'est pour cela que j'ai dit qu'il fallait qu'ils prennent le temps pour mûrir ce plan et préparer, prendre toutes les dispositions sur le terrain pour que son exécution soit efficace. Il fallait même d'abord, quand on dit qu'on va construire les maisons, quel type de maison va-t-on construire? Quel type? Avec quel genre? Mais il fallait qu'on prenne, on a des sociétés ici, on a vu les Turcs fabriquer, faire du préfabriqué et porter pour venir mettre. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris le temps pour dire, ok, on va mettre des maisons préfabriquées. Telle société va s'occuper de la production des matériaux et on va transporter, autre va transporter, telle société sera chargée de monter les maisons. Mais je ne vois rien. Alors, on collecte l'argent. Quelles sont les sociétés qui ont été ciblées pour effectuer les constructions? Moi, j'ai dit vraiment, c'est encore du moment où le plan d'assistance est déjà en marche, certainement, il va falloir acheminer tous ces vivres et denrées aux populations déplacées ainsi qu'aux réfugiés. Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait te faire concrètement? Vous allez donner la nourriture aux populations qui sont dans les forêts que l'armée n'ose pas pénétrer. Qui va porter cette nourriture pour aller donner à ces populations? Les soldats qui sont craints des populations? Parce que j'ai vu dans certains endroits, on envoie le billet. Et moi, j'ai dit, parce que je suis en contact avec ces personnes, quand la population voit l'armée, elle fuit. Oui. Quelle est la magie qu'ils vont faire pour que la population qui va voir cette armée, qu'elle craint, devienne maintenant l'ami de cette population, de cette armée, pour venir prendre les vivres? Non, ils devaient réfléchir. Dans tous les villages, il y a des chefs, il y a des institutions traditionnelles. Justement, il fallait d'abord. Les chefs traditionnels ont été mobilisés justement pour la réussite de l'opération. Quelle analyse faites-vous? Est-ce que vous pensez qu'il y aura un risque ce n'est pas de tous récupération les politique? Regardez, c'est pas tous les chefs qui sont aimés. Dernièrement, ils ont amené les chefs traditionnels à signer les motions de soutien au président Biya pour dire qu'il se présente. Et vous avez vu la conséquence. Les populations ont régné leur chef et dit que vous ne nous représentez plus. Alors, maintenant, sur le terrain, il fallait qu'on tamise, qu'on regarde bien. Quels sont les chefs qui sont encore crédibles dans les localités? S'il n'y a pas de chef, on prend des élites locales qui sont représentatives de la population, qui peuvent être écoutées.
On prend cela et on travaille avec. Donc vous estimez que le gouvernement a choisi de mauvaises personnes pour pouvoir aider. Ces personnes, d'abord, les élites de Yaoundé qu'on a mis sur le plateau, ce sont des gens qui ont été tous vomis. Tous vomis par la population. Alors maintenant, ceux-là, il y a un qui a même dit que c'était coutumier. C'était une habitude coutumière de sa population de fuir les villes pour aller dans les villages, dans les forêts. Alors, celui-là va aussi aller dans son village, dans sa localité, dit qu'il apporte quoi? Barista Emmanuel Aboachou, nous y reviendrons sur ce sujet certainement. Avant la fin de ce journal, le temps de signaler que le gouvernement remue ses méninges face à la densité du calendrier électoral. Le délai légal prévu pour la convocation du corps électoral a expiré ce 21 juin 2018 et sur le terrain, Elections Cameroun tente de reconquérir la confiance de son personnel démobilisé par un management approximatif. Le top management d'Elections Cameroun a effectué une visite ce jour dans la ville de Douala. Enfin, le point dans ce reportage de François Dikoumé, Xavier Foucault. D'après la Constitution, le corps électoral devrait être convoqué ce 21 juin en vue des échéances qui se profilent à l'horizon. À l'antenne régionale d'Elecam du littoral, plusieurs manquements font douter sur la capacité de cette institution à organiser les élections. Tété Claude Emmanuel, délégué régional d'Elecam du littoral, les a lui-même énumérés. Il s'agit des problèmes de matériel du bureau, de mobilier, de matériel biométrique et d'insuffisance du personnel. Cette déclaration a été faite lors de la visite au siège d'Elecam à Douala d'Eno Abrams Egbe, président du conseil électoral, qu'accompagnait Eric Essoussé, directeur général d'Elecam. Cette visite de travail a également servi de prétexte aux responsables de cette institution d'évoquer certains malaises sociaux des employés. Ils ont parlé entre autres des problèmes d'avancement, de non-paiement des redevances de la Caisse nationale des prévoyances sociales et celui des personnels temporaires. L'occasion était aussi propice pour remobiliser les troupes dispersées, telles que l'a laissé entendre Eno Abrams Egbe, président du conseil électoral. Mes chers collaborateurs, nous sommes à la veille d'une échéance très importante. Nous devons faire le bord de bien les querelles, même plus haut pendant à toutes les accusations, non. C'est l'administration qui donne les grandes orientations politiques et le directeur général des élections exécute ses missions pour le bien-être de l'ensemble. Donc l'élection Cameroun n'a pas été séparée, je le dis aux réformes. Sur des questions relatives à l'organisation globale du scrutin, à la question de la présence des bureaux de vote dans les casernes et à la préparation de la présidentielle, les responsables de l'ECAM n'ont pas souhaité s'exprimer et la rencontre s'est achevée loin des caméras. Dans le reste de l'actualité, de nombreux obstacles freinent l'essor de la musique. Au Cameroun, l'éternel problème du droit d'auteur de l'art musical, la piraterie ajoutée aux conditions précaires. Des artistes résonnent comme de fausses notes à l'occasion de la célébration de la fête internationale de la musique. Le reportage d'Isabelle Carole Zopet. Jamais la musique urbaine camerounaise n'a autant eu le vent en poupe. Les auteurs de cette musique en pleine effervescence ont saisi l'occasion de la Journée internationale de la musique pour rappeler que les anciennes sonorités restent le socle de leur inspiration. De la musique, c'est grâce au Makossa, non? C'est comme ça on dit, non? Oui, c'est grâce à ça, parce que le Makossa, on utilise ça maintenant pour ajouter un peu du hip-hop, du R&B. Donc Makossa, c'est comme le parent, le son parent que nous on utilise aujourd'hui pour faire de la musique. Mais difficile de célébrer la musique sans se soucier des conditions de vie et de travail des artistes. Tantôt laissés pour compte, tantôt clochardisés, les artistes refusent de perdre espoir. La passion et le plaisir de chanter constituent leurs principaux facteurs de motivation. Parce que j'aime la musique, je faisais la musique parce que j'aime vraiment la musique. Même si je ne fais rien, même si je ne fais rien comme l'argent, je ferai toujours de la musique. Parce que si c'était à cause si c'était à cause de l'argent, pour dire la vérité, beaucoup d'artistes auront
peut-être arrêter de faire la musique au Cameroun. Qu'importe, le musicien camerounais doit non seulement vivre de son art, mais mérite plus de considération, soutient Tengo. C'est-à-dire que quand un artiste tombe malade, il a à peine de quoi aller se faire soigner. Or, ce ne devait pas être ça. Ce que j'ai amusé au Cameroun devait au moins mettre en place une assurance pour les artistes. L'on célèbre l'édition 2018 de la Fête internationale de la musique, alors que les interminables querelles autour des droits d'auteur sont loin d'avoir livré leur dernière copie. Et toujours à l'occasion de la fête internationale de la musique, la Siko, danse traditionnelle du peuple Bassa, sera en vitrine à Yaoundé, occasion pour les fans ainsi que le public de découvrir cette partie de la riche culture camerounaise. Élisée Borba et Guizogo. Dans le pays Bassa, un rythme musical règne sans partage depuis des lustres, c'est la Siko. Danseuses et danseurs, souvent en chair, le pain admirablement sain autour de la taille, pieds nus, délivrent à chaque occasion la science de ces rythmes musicaux. Il faut remonter dans le temps pour se faire une idée des origines de ces rythmes déjà existants à l'époque précoloniale, avant d'être consolidés pendant la période coloniale. La Siko, c'est l'ensemble d'une musique folklorique qu'on a ajusté, une danse qui se pratique uniquement à l'air des pieds, des hanches et des os. Comme l'expliquent les praticiens de la Siko, celui-ci doit beaucoup à Jean Aladin Bikoko, son grand précurseur, qui l'a révolutionné et imposé au Cameroun. Aladin a été un producteur. Ça se joue en rumba. Alors la rumba, elle est différente de ce que nous jouons aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous jouons en doche. Voilà la différence qu'Aladin a amenée dans la Siko. Donc il a enlevé ça de rumba pour mettre ça en doche. Et voilà. Après Jean Bikoko Aladin, d'autres talents ont émergé, à l'instar de Samson Chogar, Astango Umtouk et Olivier de Clovis. Aujourd'hui, le rayonnement mondial de la Siko est établi, bien qu'il s'agisse d'un rythme folklorique à ses origines. Dans les années 30, les Espagnols, partant du Congo, ont ramené ces rythmes-ci, puisque ça a commencé par la rumba congolaise. Et aujourd'hui, Aladin l'a propulsé en le changeant en doche. Une réputation que les danseurs entretiennent à chaque prestation, au point parfois qu'on laisse entendre qu'ils recourent à des pratiques mystiques. Côté mystique, oui, parce que toute chose a secret. Quand c'est secret, c'est mystique. Mais il ne peut jamais avoir mystique s'il n'y a pas le travail. Donc tout ça, ça se travaille. Une chose est sûre, le succès de la Siko a même fini par dépasser les prévisions de Jean Bikoko Aladin, dont l'un des titres phares s'intitule Hikijam Nigwengeng. En d'autres termes, toute chose est limitée dans le temps. Pourtant, il n'est pas exagéré de dire que le temps de la Siko ne s'est jamais estompé, il est quasiment éternel. Un plaidoyer est en cours pour l'adoption d'une loi encadrant les familles d'accueil au Cameroun. L'annonce a été faite ce jour à Yaoundé par l'ONG SOS Village d'enfants. L'objectif est de permettre à chaque enfant de grandir dans une famille où l'affection, le respect ainsi que la sécurité sont garantis afin de lui assurer un avenir meilleur. Joël Essenga et Marcelin Ganso. L'on est sans voix devant le spectacle désolant des enfants déambulant dans les rues des principales villes du Cameroun et exposés à tout type d'abus et de fléaux. Des enfants qui auraient pu bénéficier d'un meilleur encadrement à l'image de celui offert par SOS Village d'enfants à la jeune Aimée Léonce Biloa, élève en classe de 3e au lycée bilingue de Balmayo. Je suis arrivée là-bas avec l'aide de ma grand-mère lorsque j'avais l'âge de 8 ans. Je me suis sentie bien à l'aise, j'étais scolarisée et j'ai suivi mon cursus scolaire à partir du CE1 jusqu'au CE2. Je suis entrée au lycée bilingue de Balmayo et j'aimerais que l'organisation réfléchisse sur l'épanouissement des enfants en détresse. Malheureusement, les actions de SOS Village d'enfants sont hypothéquées par l'absence d'une réglementation claire, notamment dans certains domaines importants ayant trait à l'encadrement des enfants.
telles que les familles d'accueil. L'absence de législation fait déjà que les enfants qui n'ont pas de famille sont abandonnés à eux-mêmes, alors que nous, nous œuvrons pour la protection de l'enfant. Et également, met dans l'illégalité ceux même qui s'aventurent à accueillir des enfants alors qu'il n'y a pas de loi là-dessus. Donc nous, nous voulons, comme nous l'avons dit, qu'aucun enfant ne grandisse seul. Pour nous, tous les enfants doivent grandir au sein d'une famille, qu'elle soit biologique ou qu'elle soit famille d'accueil. Voilà qui justifie le plaidoyer qui vient d'être lancé à Yaoundé. Avec pour slogan, aucun enfant ne devrait grandir seul. Il est question d'inciter les gouvernants et décideurs camerounais à légiférer sur la question des familles d'accueil d'ici 2020. Comme je l'ai dit, nous avons 4 enfants qui sont mariés, 2 filles et 2 garçons. Ça fait vraiment plaisir de voir un enfant que vous avez accueilli à 8 ans aller en mariage. Aujourd'hui, ceux dont je parle sont mère et père de famille. Quand ils passent dans la rue, il n'y a rien qui vous dise qu'ils ont grandi dans un village d'enfants SOS. Ils sont épanouis. Nous avons des places limitées et à l'extérieur, il y a encore de nombreux enfants qui ont besoin de grandir dans une famille. Donc nous attendons du gouvernement qu'il s'arrête et qu'il légifère sur la question des familles d'accueil pour permettre à toutes ces familles qui souhaitent également accueillir les enfants en détresse de pouvoir le faire en toute légalité. C'est une cause juste dont on espère qu'elle fera bouger les gouvernants afin que chaque enfant ait l'opportunité de grandir dans une famille chaleureuse qui lui apportera l'affection, le respect et la sécurité dont il a besoin. En éducation probatoire 2018, les épreuves écrites s'achèvent demain. Les candidats à l'examen dans la ville de Tchan mettent les bouchées doubles pour pouvoir décrocher ce diplôme de l'enseignement secondaire. Leclerc Sakem, Julien Berthébissaï. À 24 heures de la clôture des épreuves écrites du probatoire de l'enseignement général, les candidats inscrits au sous-centre du lycée bilingue de Tchang mettent les bouchées doubles pour obtenir leur examen. Après la traditionnelle fouille systématique en matinée, l'heure est à la concentration. Une belle entame pour certains. Mais j'ai trouvé cette épreuve abordable. Et je compte bien poursuivre afin d'obtenir mon examen. Pour les responsables des établissements érigés en sous-centre, les épreuves se déroulent sans aucun incident, bien que plusieurs cas d'absence sont à déplorer. Le centre du lycée classique de Tchang a enregistré au total 818 candidats, parmi lesquels 3 malvoyants. Sur les 818 candidats, on a un candidat absent malvoyant et 13 candidats absents, parmi lesquels 5 filles et 9 garçons. Oui, et tout se passe bien. Il n'y a pas eu de problème, pas de retard du côté des candidats. Il ne reste plus qu'à attendre les résultats avant la prochaine rentrée scolaire. Et nous poursuivons donc ce journal avec notre invité sur ce plateau, Maître Emmanuel Omar Akbor Achour. Tout à l'heure, on a évoqué que dans ce plan d'urgence, la coordination a été confiée au ministre de l'administration territoriale, Paul Attangandi. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est l'homme approprié pour pouvoir piloter ce plan d'assistance humanitaire? Non, je ne pense pas. Je ne sais pas si les initiateurs de ce projet ne veulent pas que la population l'accepte. Nous connaissons déjà dans la Manyou un exemple où un ministre est venu de Yaoundé avec des aides et la population a refusé de prendre. Donc, je ne voudrais pas que ce plan d'aide humanitaire suive, n'est-ce pas, le même sort. Pourquoi ne chercherait-on pas les clergés comme le cardinal Christian Toumi, qui est aimé de tout le monde, pour qu'il coordonne cette activité? C'est humanitaire. Le clergé est vraiment de ceux qui sont vraiment bien indiqués pour mener ce genre d'activité. Pourquoi est-ce qu'on va chercher? Même la Croix-Rouge. Pourquoi est-ce qu'on va chercher? S'ils ont appelé qu'il y aura la Croix-Rouge, il y aura des organismes internationaux qui seront associés à ce projet. Associés, mais il faudra que M. Attangadi descende sur le terrain. Et vous savez, quand il va descendre, quelle sera la réaction de la population? Non, quand même, il faut qu'on pense à ça. Ne loupons pas l'occasion, n'est-ce pas, de faire revenir la paix dans ce pays. Évitons, n'est-ce pas, d'énerver les gens. Évitons tout acte qui va faire en sorte que la population dise non, n'est-ce pas, à une si bonne initiative. Et pour vous, au regard de la stratégie de mobilisation des fonds, vous estimez tout à l'heure que ce plan cache une forme de récupération politique? Bien sûr, bien sûr. Vous voyez que
Amnesty International est sorti avec un rapport que le ministre de la Communication était obligé de combattre. Aujourd'hui, nous voyons ce plan qu'on présente comme un plan humanitaire, mais à l'intérieur, on trouve des justificatifs à l'action du gouvernement, allant dans le sens, n'est-ce pas, de combattre le rapport de Amnesty International. Donc je pense qu'ils sont en train de vouloir récupérer, n'est-ce pas, la situation en faveur du gouvernement pour permettre, n'est-ce pas, de blanchir l'image du Cameroun à l'international. Bon, c'est de bonnes guerres, mais quand même, il faut qu'on pense, n'est-ce pas, à l'unité du Cameroun, oui, à la paix. Hein? Il faut qu'on fasse tout pour que la paix revienne. Moi, je n'aimerais pas, je suis candidat à l'élection présidentielle, mais je ne voudrais pas que les deux régions anglophones restent toujours des zones interdites. Oui. Il faut qu'on fasse tout pour que la paix revienne là. Pourquoi est-ce que ce plan n'a pas été précédé, n'est-ce pas, par exemple, d'un discours du président, un discours d'apaisement du président suivi des mesures. Par exemple, l'amnistie qu'on demande depuis. Pourquoi il ne peut pas prendre ces mesures-là pour que ces plans soient acceptables par la population? Les gens sont encore dans la brousse. Il faut qu'on fasse quelque chose pour que ceux-là trouvent raison de déposer les armes et de venir plutôt prendre de l'aide pour aller travailler les champs. Et quelle lecture, Maître Arbor, faites-vous de cette liste de propositions, des contributions rendues publiques ce jour à Yaoundé? Moi, je pense qu'à la lumière de ce que j'ai vu comme liste de propositions, il fallait que le procureur, n'est-ce pas, du TCS arrête tous ses ministres. Quand vous demandez à un ministre de cotiser 2 millions de francs, mais ça veut dire qu'il ne dépend pas de son salaire. Il ne dépend pas de son salaire. S'il peut, en moins de 48 heures, sortir 2 millions de francs, d'où vient cet argent? C'est la preuve ou c'est l'aveu que ces ministres, directeurs, généraux, tout ça, ont des moyens, de l'argent qui ne provient pas, n'est-ce pas, de leur salaire. Alors, peut-être pour revenir sur les moyens pour la réussite de l'événement, quels sont les éléments qui peuvent permettre que ce projet puisse réussir? Pour que ce projet réussisse, j'ai dit qu'il faut qu'on fasse tout pour que ce projet soit acceptable par la population. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il soit acceptable? Ce qu'on doit faire, c'est qu'il faut mettre sur place des mesures d'apaisement. La population est très fâchée, très très fâchée du gouvernement, de l'armée. Quelles mesures d'apaisement? Il y a quoi, par exemple? Il faut une loi d'amnistie. Il faut une loi d'amnistie. Je ne sais pas pourquoi on continue à laisser des gens en détention. La population réclame, même dans le rapport Moussonga, on a demandé libérer les gens. Si au moment où on libérait Agbobala, on avait libéré tout le monde, on ne serait pas là. Qu'on libère les gens, ça va permettre à certaines familles, n'est-ce pas, d'être contentes. Ça va permettre à certains de baisser les armes, de trouver qu'il n'y a plus de raison d'être, n'est-ce pas, de rester dans la brousse. Il faut aussi que le gouvernement crée, parce que cette crise est une crise de frustration. La région anglophone n'a aucune école d'ingénieurs, aucune. Moi, je l'ai dit, le port de Limbé, on a préféré créer le port de Kribi, alors que le port de Limbé est le plus grand port en eau profonde de l'Afrique. Pourquoi est-ce qu'on laisse ça? J'ai dit que le président prenne des mesures pour décréter même la création de ce port, même s'il n'y a pas l'argent pour le construire. Ça va apaiser les gens. Pourquoi on ne construit pas la chute? Bon, la chute de Menchoum. Mais le gouvernement avait commencé à initier des travaux, ils mais ils ont été stoppés à cause des exactions. Non, ils n'ont rien fait à Menchoum. Les barrages qu'ils construisent coûtent plus cher que la chute de Menchoum si on voulait produire l'énergie électrique. Tous les jours, nous souffrons de délestage, alors qu'on a une chute comme la Menchoum qui pouvait alimenter tout le pays et nous permettre de vendre encore la lumière. Donc, il faut qu'on essaye d'éviter toute chose qui augmente, n'est-ce pas, la frustration des populations. Barista Agbouachou, pour sortir de notre entretien, dans le plan d'urgence communiqué hier, le gouvernement a évoqué enfin l'assassinat du sous-préfet de Batibo, Marcel Namata Aditin. Pourtant, aucune information n'avait été faite depuis longtemps à ce sujet. L'opinion nationale est restée sans nouvelles de lui depuis son enlèvement le 11 février 2018, alors qu'il s'apprêtait pour prendre part au défilé. Le gouvernement qui a finalement confirmé hier dans ce plan qu'il a été assassiné. Comment appréciez-vous cette gestion de ce cas précis? Non, je suis très désolé. Je n'aime pas chaque fois qu'il y a mort dans moi. Vraiment, je n'aime pas. Je ne trouve aucune raison, rien ne peut justifier l'assassinat d'un sous-préfet qui faisait son travail.
Hein, il faisait son travail, il représentait l'État. Je ne vois rien qui justifie ce genre de... Mais le gouvernement n'a pas pu annoncer depuis, alors que toute l'opinion était sans nouvelles de lui. Depuis le 11 février, le gouvernement n'a fait aucune annonce. Ce n'est que dans le plan d'urgence qu'il a fait une annonce de façon subtile qu'il a été assassiné. Je regrette vraiment ce gouvernement. Tout le temps, on retient l'information, on empêche aux gens de descendre sur le terrain pour avoir vraiment la vérité sur ce qui se passe. Alors que le gouvernement n'a pas les moyens, n'est-ce pas, de sa politique. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu? Ils ont libéré les gens qui étaient détenus à Ekona. Pourquoi n'ont-ils pas libéré Namata? Ils l'ont laissé assassiner. Donc, il fallait qu'ils fassent tout pour libérer ce monsieur. Merci, barista Emmanuel Omar Agboachou, d'être venu ce soir. Merci. Je rappelle, vous êtes avocat au barreau du Cameroun, président national de Réforme Parti et candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2018. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.